Bonjour. Merci. Allô? Vas-y. Examen de qui? Pour elle d'abord, c'est combien? Oui. Ils vont te faire l'examen de quoi? Toi, tes examens, c'est l'examen de quoi? C'est les remèdes ou c'est les examens? D'accord. Va faire un retrait sur mon numéro orange, MTN. Tout à l'heure. Merci pour vos compliments. Bonjour, la reine Fonga. Il y a déjà quelque chose qui a été enclenché. Il y a un processus qui a été enclenché. Et le Seigneur veut que vous puissiez comprendre où est-ce que vous en êtes. Voilà Noël. Voilà une nouvelle année qui va commencer bientôt. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous êtes dans l'ancien système. Vous êtes encore dans les mêmes trucs qui vous ralentissaient avant. Ok. Connectez-vous. Bonjour la reine Olga. Le message que j'ai pour vous qui allez m'écouter, c'est que nous sommes dans un système où on est en train de passer de l'ancien système au nouveau système. Dans l'ancien système, tu es impuissante, tu es impuissant. Dans l'ancien système, tu es une femme qui n'a pas le choix. Tu ne peux que travailler, nettoyer les fesses des gens, aller dormir de 20h à 8h quelque part. Et tu te fais un peu d'argent. Et quand le peu d'argent que tu fais là, ça prend encore le tout. Tu rêves seulement la nuit que tu es riche, dans la journée tu es pauvre. Voilà ton ancien système. Voilà ce que tu as connu jusqu'à présent. Maintenant, tu commences à m'écouter. Je te fais comprendre que tes rêves peuvent devenir réalité. C'est-à-dire, comme tu te vois marcher avec les grands tous les jours, c'est maintenant toi qui es grande ou grand. Les gens s'alignent pour te parler. Affaire d'argent, ce n'est même plus un problème pour toi. Tu comprends les gros projets. Parce que tu sais que si je planifie, ça marche. Like, you know, I just have to think. Je pense seulement et ça marche. Dans le nouveau système, tu n'as plus besoin de quelqu'un. Ah, je dois me mettre avec mon ex. Voilà, ça fait 9 ans qu'on tourne en rond. Il part, il revient, il part, il revient. Mais ah, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça, c'était l'ancien toi. Ça, c'était l'ancien toi. Quand il fallait faire les projets d'argent, ah, il me faut que je vais construire ma maison, je vais acheter mon terrain même. Il me faut cotiser l'argent du terrain même pendant 5 ans. Après, je vais prendre 10 ans pour construire. Le nouveau toi là, tu n'as plus peur de quelqu'un. Écoutez, hein,
Tu vois la sensation que tu as quand tu regardes le film. Mais après, quand tu regardes le film, ça t'énerve un peu parce que tu sais que dès que je sortis de la salle de cinéma, c'est fini. Dès que je sors d'ici, pourquoi Superman ne vient pas vivre avec moi, non? Vous connaissez cette sensation négative que vous avez souvent là? Ah, mes choses n'avancent jamais, c'est toujours comme ça. Quand on fait mes choses, on me rejette, on me refuse toujours. Donc, tu travailles quelque part, après 2 semaines, on te renvoie. Tu poses l'application quelque part, on ne te répond jamais. Tu demandes le visa, on te refuse. Tu arrives même à passer la veille de visa là, tu arrives dans le pays là, tu fais 10 ans sans papier. Cette sensation-là, bonjour, bonjour, je suis là pour vous annoncer que c'est derrière vous, c'est passé. Il y en a même parmi vous. Vous êtes déjà habitué à l'échec. Il y a une dame qui m'a contacté ce matin. Ça fait peut-être une semaine, je pense, qu'elle a payé sa consultation. Et là, elle me dit, ouais, moi, je suis fatiguée. Je t'appelle tout le temps. C'est comme si c'était de l'arnaque. J'ai dit que, mamie, hier nuit, elle t'a appelé. Tu m'as dit que tu étais aux toilettes. Parfois, vos démons ne veulent pas que vos choses avancent. J'appelle, elle est aux toilettes, alors que 5 minutes plus tôt, elle m'a appelé. Dès qu'elle quitte, elle prend une autre personne, elle revient, m'appelle. Je dis que, mamie, c'est à passer. Ton temps que je vais t'appeler est passé. Elle m'a dit que, oui, ça n'arrive qu'à moi. C'est toujours comme ça, mes choses. J'ai dit, voilà tes pensées. Voilà le train de pensée qui fait que tu ne peux pas être béni. Donc vous êtes préconditionné pour le mauvais. Arrêtez. On ne peut pas vous forcer pour que votre vie avance. On ne peut pas. Oui. Oui. Donnez-moi le numéro alors. D'accord. C'est combien encore? D'accord. Attendez, je fais une transaction. Pendant ce temps, vous pouvez partager ma vidéo. Je sais que vous aimez regarder mes vidéos, ne partagez jamais. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour la reine Nadou. En fait, il ne s'agit pas seulement de rester de dire que je dis que ça va marcher. Non. Parce que c'est que vous êtes les champions pour ça. Oh, au nom de Jésus, je reçois ma délivrance. Tu restes, tu penses. Maman, donc les trucs vont finalement s'arrêter. Donc je veux aussi voir comment ma vie va avancer. C'est dans ta tête.
Après, dans ta bouteille, que je... Oh non, au nom de Jésus, je reçois mon argent. Est-ce que ça va même marcher? J'ai une dame, je vous dis que j'ai une dame qui m'a appelée hier. Elle me dit, maman, je n'ai plus peur. Que j'ai démissionné aujourd'hui. Que je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur du chômage. Je n'ai plus peur que... Non, non, je vais moi-même faire ma part de choses. Je vais lancer mon business. Vos actions vont confirmer si effectivement vous faites ce que vous dites. Là, oui, oui, oui. Après, tu te tournes là. Je vais travailler, je vais travailler. Tu arrives au boulot, on te fait des misères. Je n'ai pas le choix. Il me faut les 1500 euros, les 1900 euros qu'ils me donnent là, il me faut ça. Reprenez-vous en main. Je vais vous raconter ce qui se passe dans votre vie, effectivement. Vous avez déjà regardé Matrix. Vous avez déjà regardé Superman. Ce qui se passe avec toutes ces personnes, c'est que c'est quelqu'un qui vivait une vie ordinaire. Moi, je suis l'enfant de papa Jean, avec ma Joseph, ou c'est ma Josette. Ma Josette. Je sors de Bepanda. Tu sais. Tu entends et te dis que tu es un roi. Tu entends et te dis que tu es une reine. Tu entends et te dis que tu as la puissance, que tu es Dieu. Ceux qui ont commencé à se laver avec le sel, vous allez remarquer que souvent le matin, quand vous allez rester, vous allez sentir beaucoup d'énergie dans vos mains. Vous allez sentir la puissance dans vos mains. Ça vient avec les picotements d'abord. Votre ADN est en train d'être activé. Je vous explique ce qui vous arrive. Tu vas commencer à rêver. Quand tu rêves, ça se réalise le lendemain. Tu restes comme ça là. Tu penses à... Le matin à 6h, tu te dis, je vais avoir l'argent aujourd'hui. Le soir, tu vois l'argent dans ton compte. Vos dons spirituels sont en train de s'activer. Les dons de prémonition, les paroles même. Tu restes, tu déclares quelque chose, soit tu vois ça se réalise. Tu dis, ah. Tu restes, tu parles. Tu écoutes moi seulement quelqu'un, tu m'écoutes là. Ton corps commence, tes mains commencent à picoter. Ta langue commence à picoter. Monsieur ou madame riche, ça capte les énergies, mais maintenant, tu conserves cette énergie. Avant, vous perdiez votre énergie. Et l'énergie aussi vient de la pensée. La pensée, l'environnement, les bains que vous prenez, les paroles que vous dites qui viennent bien sûr de la pensée, ce que vous permettez. Tu peux accumuler ton énergie pendant 2 semaines. Tu pars dans un boulot, tu es en congé peut-être. Après, tu arrives au boulot. On te prend, on t'énerve au boulot, on te stresse. Ça te vide. L'énergie doit être conservée. Elle doit être accumulée. Qui dit énergie dit puissance. Qui dit puissance dit argent. Et si vous êtes loin, vous n'avez pas l'argent, dites à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être prophète ou prophétesse ou encore quoi là et pauvre. Ajoute de l'argent sur ça. Vous allez vous habituer aux sensations, vous allez vous habituer à ça. Les jours, je vais avoir beaucoup d'argent qui vient vers moi. Mon frère me lève le matin. Je sais que l'argent arrive. Il y a les nuits à partir de 4h, il n'arrive plus à dormir. Je sens comment ce n'est plus ma chair seulement, mais la moelle épinière.
Il y en a parmi vous, quand il envoie vos affaires là, je dépose la main dessus comme ça. Je sais que ce que je souhaite être envoyé là, quand tu vas toucher ça, je connais ce qui va se passer dans ta vie. Angélique Zéron, mon numéro c'est le 00237 680 71 07 01. Et ne m'appelez pas pendant que je suis en direct. 680 71 0701. L'énergie que vous avez commencé à accumuler, elle doit être canalisée. Vous devez être comme un laser. Donc, j'ai bien dit que voilà votre histoire. Depuis que vous êtes né, vous vivez une vie normale. Comme Clark Kent dans Superman. Jusqu'à ce que vous rencontrez une reine qui vous dit que vous êtes un roi ou une reine. Et quelque chose en vous se bouffe. Je dis. Dans la nuit, tu rêves, tu te vois mettre la couronne sur ta tête. Écoutez, c'est pas la blague, hein. Écoutez-moi bien. Vous êtes en train de changer de dimension. Et quand tu changes de dimension, tes rêves et ta réalité deviennent un. Comme ça là. Tes rêves et ta réalité deviennent. Ce que tu restais souvent, ça, tu disais que c'est pour ça que quand vous regardez les films des super-pouvoirs, ça vous plaît tellement. Il y a quelque chose en vous qui aime ça. Parce que vous savez que vous n'êtes pas seulement de cette dimension. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'autre dimension dans laquelle vous étiez et cette dimension, c'est en train de devenir un. C'est en train quand Jésus priait, c'est que ta volonté soit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne, donc que là-bas et ici, ce soit un. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donc, que ici et là-bas, ça devienne un. Ça, c'est pour les religieux, là. Les pharisiens et les sadducis qui sont ici, là. Pharisees and sadducees. Quand ils parlent de la... Non, non, Dieu n'était pas comme ça. Jésus, gna 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 gna. Vous ne connaissez pas la Bible. Superman était inconnu, il était pauvre. Quand il devient connu, vous l'avez vu manquer l'argent. Vous l'avez vu manquer de l'argent. Ça doit vous dire quelque chose. Vous prêchez votre oreille. J'ai dû vous déclarer, je suis une reine, je suis une reine. Que ça prenne effet. C'était parmi vous-même, votre environnement doit changer. Votre maison doit s'agrandir. L'appartement où tu vis doit changer. Ta façon de marcher doit changer. Ta façon de t'habiller doit changer. Tu arrives quelque part. Avant, ça m'a pris du temps, hein, pour que je puisse, sans souci, marcher à l'aise comme je suis là. Voilà mon quotidien. Hein. Ce n'est pas n'importe où. Je suis habillée comme vous voyez là. N'importe où. Merci Adia, merci. Viviane Kangan, écris-moi. Il y a une femme qui distribue à Yaoundé. Elle va te donner les produits. Tu parles à voir si c'est 5 000 que tu as ou même c'est 2 000. Elle va te donner les produits de 2 000. Commencez quelque part.
Et à l'échelle planétaire, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au niveau vibratoire. Beaucoup de rois et de reines sont en train de prendre leur couronne. C'est en train de s'activer. Les pouvoirs, les gens que tu reviens dans la nuit comme ça, là, tu vois, tu as les rêves où tu as été guéri les gens. Le rêve où tu es en train d'avoir beaucoup d'argent. Du jour au lendemain, on te donne beaucoup d'argent. C'est en train de se faire. Il y a le changement de trésor. L'argent quitte de la main des gens qui ne croient pas. Pour venir dans la main des gens qui croient et qui connaissent qui ils sont. Quand on dit croire, ça veut dire que je crois. Je n'ai pas de distributeur au Gabon confirmé encore. Donc, si jamais vous voulez le bien, vous bien. J'ai deux ou trois personnes qui m'ont écrit. Comme je demande au distributeur de me donner aussi de l'argent, parce que je ne vous envoie pas ma marchandise comme ça. Du coup, certaines personnes croient que vous allez venir avec 0 francs. Je porte les produits de 1 million, je vous donne. Vous me la vous bêtez. Ok. Et je ne veux pas fonctionner avec les pauvres aussi. Si tu es un pauvre dans ta tête là, ça ne va pas bon. Je ne veux pas lancer la pauvreté sur mes choses. Donc, je n'ai pas encore de distributeur confirmé au Gabon. Vous aimez avoir tout pour rien. Oui, je veux 100% des bénéfices. Tu as investi quoi? 0 francs. Seriously? Seriously? Non. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités aussi qui vont venir à vous. Quelque chose qu'on vend à 100 millions. On va te dire, donne 5 millions, tu prends. Tu as quelque part, parce que c'est toi, parce que tu as l'onction. Écoutez, hein, l'onction détruit la malédiction qui était sur vous là. Oh, je suis de telle famille. Personne dans notre famille n'a jamais fait ça. Tu n'es plus dedans. Tu n'es plus dedans. Quand tu découvres que tu es Dieu, hein, c'est comme s'il y avait un vortex à l'intérieur de toi. Une puissance qui s'active. Comprenez maintenant que ça va pas se faire automatiquement parce que vous êtes des incrédules. Tu rêves, tu vois, tu viens ici là sur la page, oui. Dès qu'on te dit fais telle chose, ah mon argent va sortir. Écoutez, tant que vous allez vous agripper à l'argent que vous avez, esprit de pauvreté, tu ne connais pas que tu es Dieu. Président de Toulouse, tu dis que je suis trop belle, ça te dérange ou bien? Quand on dit un compliment, Dieu est très belle, on ne dit pas trop. Quand c'est trop, c'est bon, c'est un excès. Ma part de l'offre de beauté, cela je connais. Parce qu'elle ne veut même pas vous éblouir. Oui. Oui, je suis en direct, madame. Je suis en train de faire un direct. Voilà. Sandrine. Pardon, viens prendre le téléphone ici là. Tu as quelqu'un, tu as direct, veut seulement parler. Garde l'écouteur, il te parler. Pardon, prends. Rappelle la scène, décroche pas, tu laisses. Moi, je ne vous supplie pas, moi. Alors, souvent, quand vous faites vous appeler, vous faites comme si vous êtes essentiel à ma vie. Écoutez, hein, je ne suis pas essentiel. Donc, sans moi, vous allez vivre. Sans vous, je vais vivre. Je veux que ça soit clair. Donc, on est à la base, là. Parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse le chantage. Je ne vous fais pas le chantage, vous me faites le chantage. Je suis occupé, ça, c'est mon business. J'ai les factures à payer, j'ai les taxes à payer, j'ai mon loyer à payer. Tu sais que parfois, vous faites comme ça, les gens, vous appelez, vous voulez, les gens, arrêtez un peu. Arrêtez. Voilà. Comme ça, ça a été dit maintenant. Parce que retournons dans nos business. Tu veux les bâtons des enfants? La reine Stella. Oui. On a des petits bâtons. Voilà les grands bâtons. Bon, c'est vrai, c'est tous la même taille.
Donc j'ai commandé beaucoup de petits pour les enfants parce que j'ai beaucoup. J'ai un petit garçon hier, sa mère a pris son chapeau ndop, son bâton et son haut ndop. Donc il a 9 ans. Donc il y a les bâtons pour vos enfants pour ça. Chaque enfant à la maison doit avoir ses bâtons. Il doit avoir son chapeau. Il doit avoir son collier. Activez vos enfants tôt, s'il vous plaît. Vous, là, l'esprit de pauvreté vous a trop rongé la tête. L'esprit de manque. L'esprit de ceci. Il faut que ton enfant a 4 ans et 2 ans même, là, il a son chapeau. Il a son petit bâton de commandement, là. Tu le fumes souvent avec son doble, là, comme ça, là. Ouais. Ouais. Écoutez, Adia là. Souvent, quand vous appelez, vous dérangez. Vous croyez donc, hier à 23h30, j'étais en train de consulter. Après, vous allez venir vous fâcher. Oh, ça fait une semaine que je te contacte. Pardon, si tu m'avais envoyé l'argent. Donne-moi les contacts là, je t'envoie ton argent rapidement. Et tu quittes sur ma page. Je dois vous mettre ça clair. Clair. On ne va pas envoyer derrière vous pour souffrir. Parfois, vous n'êtes même pas humble. Donc, vous venez comme si c'est, je ne vous coupe pas après. Ça ne va pas écouter seulement mes vidéos. Ça ne va pas encore. Hein. Désabonnez-vous-même. Ne m'écoutez plus jamais. Bloquez-moi sur toutes mes pages. Fuyez. Parfois, vous faites comme si vous êtes ma vie. Ah, c'est comment? Je ne suis pas votre vie. Vous n'êtes pas ma part. Voilà. Dans les bâtons, c'est 15 000. Pour les enfants, je vais demander qu'on fasse vraiment les petits modèles. Comme s'ils peuvent manipuler. Voilà. Les chapeaux aussi, prenez. Manuela Bernadette, regarde ma vidéo que j'ai faite hier. Tu as compris? Je suis gentille avec toi. Donc, il y a les chapeaux comme ça que vos enfants doivent avoir. Et c'est qu'il y en a qui disent qu'on doit d'abord te mettre sur la chaise. On doit d'abord ceci. Vos enfants sont des rois. Imagine ton enfant à 2 ans, tu l'appelles mon roi. 3 ans, 4 ans, 5 ans, il grandit avec une conscience dans sa tête. À la maison, il a même sa couronne, avec son petit trône comme ça là. Écoutez, insolentez les gens. Là, on arrive dans la chambre de ton enfant, on voit son trône là-bas. On voit son bâton de commandement. On dit que maman, que mais mon enfant c'est un roi, non? Voilà son trône que j'ai acheté. Vous élevez les enfants pour qu'ils s'habituent à être les caissiers dans les supermarchés. Non. Tu expliques à l'enfant que tu es un roi. Je sais que ça va énerver les gens. Certaines personnes disent, tu exagères, tu gâtes trop l'enfant là. Non. Tu connais que tu es roi à 40 ans parce que tes parents ne t'ont pas montré. Et même quand tu connais à 40 ans, ça te prend encore du temps. Tu as encore de la peine à accepter. On t'a tellement insulté. Et comme on t'a fait croire que tu étais un petit pousseur, tu te comportais comme un fou. Comme un idiot. Tu couches à gauche, à droite avec les filles. Quand un roi connaît qu'il est roi. Il y a certaines conversations que tu n'as même plus avec les gens. Tu arrives quelque part, tu marches avec un nez royal. Écoutez, je ne suis pas la seule personne qui vend ça en ligne. Mais je vous dis, vos enfants, achetez ça à vos enfants, vous voyez. Même les chaussures en dope. Faites que les chaussures, faites des bracelets, mettez sur vos enfants. Tu vois l'enfant parmi les petits blancs, il aussi là seulement comme ça. Blanc même, on le chasse, on dit que tu n'es pas blanc. Noir même, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Les colis, il ne connaît pas. Il sait que le colis, c'est quoi?
Il y a des choses que vos parents vous ont passées que vous devez couper maintenant. Et vous ne devez plus passer ça à vos enfants. J'ai une reine là, hier, elle me fait une vidéo. Elle était dans le magasin, avec ses enfants. Et elle est dans le magasin, elle parle en français. Elle dit à l'enfant, ils sont aux États-Unis. Elle dit, qui là-bas? Oh non, non, ne pointe pas le doigt sur ton bras. J'ai dit que, wow, les matières camerounaises, oh. Te voilà aux États-Unis. Tu es en bengale avec l'enfant au magasin. Tu parles toujours comme une matière africaine. Bonjour la reine Julie. Vos enfants aussi doivent avoir leurs hôtels dans leur chambre. J'avais oublié. Il y a un petit là, j'ai envoyé la Vierge Marie à sa mère, je pense. Je sais pas si j'ai envoyé où elle a acheté là-bas. Et elle dit que son fils s'est accroché sur la Vierge Marie jusqu'à. Chaque nuit qu'il n'a pas dormi, il pense avec lui. Vous avez acheté les Peppa Pig à vos enfants. Vous avez acheté Miraculous à vos enfants. Vous partez dans le magasin des blancs. Vous achetez ça 50, 70, 150 dollars. On te dit, achète quelque chose de traditionnel à ton enfant. Tu comprends, tiens. Vos enfants ne connaissent que Miraculous. Ouais, c'est tout ce que vous leur avez montré. Miraculous. C'est tout ce que l'enfant connaît. Hein, Peppa Pig. Tu as acheté que tu veux qu'elle fait. Tu veux Elsa, Elsa. Quoi là? Elle dit que. Do you wanna be a snowman? Voilà ce que vos enfants connaissent. Bonsoir, la mesmer. Si c'est reine ou roi. Bonsoir la reine d'Onfac. La reine Pandé, bonsoir. Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out of the door. It's love you gonna win. J'ai fait ça pendant les vacances avec mes enfants au centre. Les cartes de Pokémon. Spider-Man, voilà. Bête à votre enfant devient accro. Que maman, je suis le roi. Je suis le roi Bamileke de ceci. Au lieu de dire que je suis Spider-Man. Il fait encore comment là? Il fait quoi là? Il fait comme ça là. Tu achètes le film, tu mets sur le statut. Voilà Noël, non? Voilà Noël, non? Vous avez acheté les poupées aux enfants, non? Les poupées blanches là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Venez ici là, disez votre vérité. Disez. Vous êtes donc, on vous allez tourner le cerveau dans les choses. Vous allez tourner le cerveau. Bonsoir, reine Ouwambala. Tu as mis l'arbre à la maison. Fou l'arbre là, c'est qui? La reine Fongan, ça dépend de quel pays. C'est maintenant que je suis en train d'envoyer les statuettes. Donc ceux qui vont prendre en France ou encore aux États-Unis. Je suis en train d'envoyer les statuettes, donc c'est en train de partir. Donc quand vous allez acheter, vous pourrez prendre ça. À partir de vendredi, je pense. Oui, les croix de maison. Je suis en train de mettre ça dans les stocks. Les croix de maison, les choses comme ça. Le genre si et le genre qui est lumineux. Ok, le chef Prézi, chef Bawan. Bonjour Sa Majesté. La reine Danielle Salissou, on poste au Gabon par DHL. Ça prendra peut-être une semaine pour arriver. Nadège, je dois chercher la poupée noire. Cherchez la poupée qui est habillée en dope. Vous donnez ça. La poupée qui est habillée en dope. Je crois qu'elle veut faire des poupées comme ça.
Ça, c'est les idées de business que j'aime bien. Attendez. Oui, la canne, ceux de Paris, parce que les cannes sont volumineuses, donc je vous enverrai les cannes. J'ai les produits qui arrivent à Paris demain matin. Bon, vous voyez, prendre les stocks. Il y a des choses qui vont arriver. Les encens, il y a les encens qui vont arriver. Les sels aussi, j'en ai mis. Statuettes, je crois qu'il y en a. Donc, contactez là-bas, vous envoyez les photos de ce qu'elle a. Puis, j'aime bien la croix, ça c'est très joli. J'en ai pris des en or. Il y en a en or et puis avec cette matière. Donc, vous pourrez vous commander, vous pouvez commander ça. Oui, les cannes, on peut en envoyer aussi. Bonjour, le roi Azefak. Edwige et Somba, on livre en Angleterre, même Nottingham, on livre. C'est DHL, non, mamie? Si vous appelez pour commander seulement sans consultation, je vous prends à n'importe quel moment. Vous appelez, vous précisez seulement que c'est pour acheter les produits. Le tanguy de sel de mer, je le fais à 6 000 francs. Plein. Maintenant, ça dépend de là où vous êtes. Non, moi, mes poupées, je vais les habiller en reine. Je vais habiller mes poupées en reine. Je ne veux pas faire seulement le genre que. Vous savez, vous n'êtes pas bloqué. C'est pour ça que vous tombez sur mes vidéos. Tu étais bloqué, tu cherchais la voie. Tu ne savais même pas que tu cherchais la voie. Maintenant, Dieu te met quelque part, tu dis, mais voilà ce que je cherchais. Quand tu trouves, quelque chose en toi se commence à se réveiller. Que c'est ce qui me manquait. C'est ça. On poste en France. Voilà, monsieur Abdoulaziz, il dit, depuis qu'il me connaît, il est devenu fort spirituellement. Voilà. Je me rappelle très bien de toi, Abdoul. Ça fait au moins 2 mois et demi que tu es abonné à la page. Si c'est pour commander, je vous prends directement. Pour la consultation, je vous demande de vous laver au moins pendant 2 semaines avec le sel. Et vous suivez mes vidéos. Ce matin, j'ai pris un monsieur en consultation. Il me dit, ça fait 5 jours. Il n'a pas encore, c'est pas lavé, rien. Il dit que non, je ne te consulte pas. Va d'abord faire au moins le minimum. Prends le sel que ta femme prépare avec. Mets dans l'eau. Prie, lave-toi avec. Tu ne peux pas faire ça, tu laisses. Je te rembourse ton argent de consultation. Parce que vous aimez la paresse. Quand vous allez arriver dans la consultation, vos idées seront. Vous avez commencé à me poser des questions. Que tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu vois quoi, ma reine? Non. Le contact de celle qui est aux États-Unis. Sandrine, appelle-moi le téléphone, s'il te plaît. Merci. Votre problème, c'est que vous ne témoignez jamais. Vous venez seulement écouter mes directs. Vous n'avez jamais fait une offrande. Vous n'avez jamais témoigné. Vous n'avez jamais venu me voir. Aucune consultation. Restez avec vos témoignages. Vous avez compris, non? C'est là où vous allez vous arrêter là-bas. Continuons.
Daniel Salissou. Non, c'est pas évident de m'avoir sur WhatsApp, vraiment. Voilà, j'ai le téléphone devant moi maintenant. Écrivez-moi alors. Ok, quelqu'un dit, me dit, c'est Mesmer. Ok. Mesmer, je vois. Tu veux commander ou bien? Je vous donne le numéro des États-Unis. Ok, je t'envoie celle de Yaoundé. Quelqu'un m'a écrit pour le numéro de la dame de Yaoundé. Faites au moins même 7 jours. Vous vous lavez. Bon, voici le numéro des États-Unis. Plus 12 40 61 40, 98 et puis 8. Plus 1, 24, 06, 14, 09, 88. Toute commande, ça se concrétise avec l'argent. Vous n'envoyez pas l'argent. Pour ceux de l'Allemagne, je n'ai pas encore. Zéphérin QAT, je suis encore en train de finaliser avec les représentants. C'est pour ça que je ne mets pas tous les numéros ici. Je suis en train de finaliser. Vas-y, je viens de voir ton message. Donc, quand vous la contactez aux États-Unis, vous passez la commande, dites ce que vous voulez. Voilà. Il y a les bracelets, les colliers, les choses comme ça. Mesmer, même pour Dubaï là. Mesmer, tu m'as contacté pour Dubaï. Ok. Ok. Et aussi les chapeaux. C'est super. Faites des captures d'écran. J'ai aussi les. J'ai aussi ceci. Ça, c'est très bien qu'on met les coris dessus.
Bon, je pense que c'est tout, hein. Ceux qui ont compris le message, les rois et les reines qui sont prêts et qui ont compris le message, ce que j'ai dit, ça va vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée. Si tu n'as pas le cœur pour porter le chapeau, c'est là, tu ne peux pas porter le chapeau aussi. Si tu me demandes déjà si tout le monde peut porter, ça veut dire que tu n'as pas le cœur pour porter ça. Tu as compris? Je suis en train de répondre à vos messages en direct. Et les chapelets aussi, dis rappelez-moi juste, je vous avoue les chapelets. Merci. Soyez bénis aussi. Au revoir à tout le monde.